devant là. Bravo! Super! Il manque les rails et par les airs, mais sinon on a fait la route, la mer, donc il y a encore 2-3 trucs à tester. On est content d'être là. Hein. C'était vraiment pas gagné. On a terminé de repréparer le bateau à 12 heures avant le départ de la course, du départ de l'Orient. Donc nous on est hyper content d'être là. C'est la première des satisfactions. Hein. Tout le monde oublie que le plus important sur une transat c'est quand même de traverser aussi. Donc ça c'est coché. Après c'est sûr que on avait imaginé une transat avec un peu plus de réussite. Voilà, on l'a pas suffisamment provoqué, on a peut-être été un petit peu trop prudent par un moment. Et puis le niveau de la classe 40 s'est considérablement étoffé, donc les petites erreurs se payent doublement plus cher. Oh, j'ai fait du double aussi, pas mal, mais j'étais content de partager ça avec Cédric quand même. On a pris quand même du plaisir sur l'eau, même si c'était pas toujours facile, mais comme il disait, on a un peu oublié, mais on a quand même failli ne pas faire cette transat, donc on a de la chance d'être là. On a quand même eu des super moments sur l'eau, ça avait plutôt bien commencé, le début de la transat s'est plutôt bien passé, après voilà, on a fait, je pense, deux petites erreurs, et notamment un moment qui nous a coûté très très cher, et après on a cravaché comme on a pu pour essayer de revenir, mais la météo n'était pas trop avec nous, donc voilà, c'était vraiment pas simple, cette situation avec option nord, option sud, les deux possibles, et surtout à 11 jours de l'arrivée où c'est très compliqué de faire un choix comme ça parce que la suite est très incertaine encore. Et c'est ce qui nous a coûté un peu cher, c'est que à pas vouloir choisir, on a essayé de repousser la décision et ça nous a fait manquer un petit coup et perdre beaucoup de distance par rapport à notre paquet. Mais ça, ce sera une bonne leçon, je pense. Et voilà, c'est toujours le problème, quand on n'arrive pas à choisir entre deux options, souvent on se retrouve entre les deux et on se fait bouffer par les deux options. Ah mais nous on est des Normands, hein, donc on a passé quelques jours à faire peut-être bain qui, peut-être bain non, on sait pas trop. Et puis on a fait exactement comme Xavier et Pierre, mais au début. Voilà. Donc on est resté un petit peu entre les deux et eux ils ont fait l'entre les deux à l'arrivée. Force est de constater qu'il faut mieux choisir son camp et batailler dans son camp que d'hésiter un petit peu. À noter pour la suite. Hein. En tout cas, on s'est dit que on n'est peut-être pas programmé de refaire une transat ensemble, mais ça reste quand même sur un goût d'inachevé. Donc, il va falloir qu'on essaie de reprogrammer ça un de ces quatre pour ne pas rester sur cette note-là. On s'est pas encore engueulé, ça va peut-être arriver au niveau du rangement là, du bateau. Non, c'était très zen.
Ça va, il m'a supporté. Mes frustrations, il a supporté mes frustrations. Non, c'était hyper cool de partager ça. Moi, j'ai, en tout cas, ça fait deux éditions que j'ai vraiment la chance de partager ça avec des personnes avec lesquelles, non seulement j'ai passé beaucoup de temps en position de coaching, et c'est des personnes avec qui, en tout cas, j'ai beaucoup de respect et à qui j'ai partagé énormément de moments. Et c'est des moments privilégiés que de faire des transats avec eux. Avec ces personnes-là, donc là, voilà, c'est encore un moment privilégié. Moi, ça me fait super plaisir de partager ça avec Guillaume, même si j'aurais aimé qu'on fasse un truc un peu plus sympa au niveau sportif, mais voilà, déjà, c'est une super aventure. Plein de moments d'échange qui nous ont rappelé, en tout cas, des bons souvenirs, et on a hâte à la prochaine. Voilà. Merci. Vous êtes en direct avec le Sogestrand, avec le fan club. Ah, le fan club. C'est pas tout l'heure encore. Oui, c'est vrai, c'est pas la nuit. Hein. C'est vrai qu'il fait jour là-bas. C'est boulot, boulot. Boulot, boulot. Hein. Une bonne journée aussi. Oui. Puis je vais passer encore une autre bonne journée, puis encore une bonne nuit, puis encore une bonne journée. Ça va être sympa. Oh, on est bien. Cédric il déteste aller dans l'eau, donc si vous y arrivez c'est très fort. C'est vrai? Ah ouais? T'arrives à remonter ou pas? Bravo Cédric. Bon ça a été? Ça t'a plu? Ah ouais. Ouais c'est pas loin. Ils ont pas mis 20 kilos un peu plus fort là. Pour les max 40 et les max.